Ce résumé vous est présenté par FedEx. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Attention Tchouaméni, ça c'est bien vu de nouveau. Ça va aller au bout, ça. Ouais, c'est au fond. Ah, quelle occasion. Saisie à deux mains par Rodrigo à l'entrée du rectangle avec Aurélien Tchouaméni à la base. Et il est content, Carlo Ancelotti. Plus dur effet peut-être, se dit-il, mais méfiance avec cette tentative. Et encore un but à l'extérieur du rectangle, par contre, là, franchement, au niveau du gardien Anatoly Troubin, je pense qu'on repassera. Ouais, ce but est pour lui, hein, parce que... ouais, vraiment. Ouais, c'est ce qu'on appelle la main qui flotte dans le sérail des gardiens de but. Ouais, c'est pas mal, Rodrigo. Benzema, décalage avec le centre de Vinicius qui essayait de retrouver Rodrigo qui était dans l'axe. C'est beau, oh que c'est beau. Et si ça va au bout, c'est encore mieux. Mais non, pas du tout. Ça, c'est un des gestes de la soirée, certainement. Oh là 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 là. Eh oui, le public ne s'y trompe pas. Écoutez ça. Si là, il parvient à enchaîner avec une frappe enroulée, le but, alors là, je pense que c'était le goal de la soirée. Sublime. Benzema, Valverde, on attaque un petit peu en tardant. Ouais, ça, ça va être intéressant. Aïe, ça va être goal, je pense. Oh. Non, il est là. Par contre, techniquement, je suis désolé, mais encore une fois, on est en Ligue des Champions, on est en droit d'être exigeant avec les joueurs. Mais l'arrêt est là, ça c'est bien. Ah, cette possibilité, ça va être c'est but, et c'est facile. C'est Vinicius, encore une fois, qui se promène, mais ça a été une reconversion à la vitesse de l'éclair. 27 minutes, 2-0. Et là, maintenant, dans ce format-là, Stéphane, on a l'impression que le Real, à chaque fois qu'ils vont donner un petit coup de rein pour accélérer, ça va être dangereux. Hein. Oui, là, je crains le pire pour le Shakhtar, parce que ça fait que 20 minutes de jeu, ils en ont plein les bottes. Les joueurs du Real se promènent, hein, vraiment dans tous ces espaces avec une hésitation de la part de Troubin. Mais là, c'est quand même incroyable. Hein. Franchement, avec le ballon dans l'axe, relâché une nouvelle fois. Ça va être but, ça non, c'est repoussé sur la ligne. Attention, Miraklichenko avec ce but du Shakhtar. Mais ça, c'est improbable. Zubkov qui nous propose le but de la soirée, peut-être avec cette reprise acrobatique. 38 minutes, 2-1 avec Zubkov. Petite erreur de marquage quand même, Stéphane. Ouais, vraiment. Après, la domination était tellement forte qu'ils se sont dit, bon voilà. Et puis une petite erreur d'inattention, peu de nonchalance. Le Nîmes pris à contre-pied, un petit peu court là. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Cette reprise, elle est juste parfaite. Tchouaméni est pas mal, on en reparle dans quelques instants parce que de nouveau ça va aller au bout, ça va aller au bout et ça va aller à côté avec Vinicius qui continue à empiler les ratés. Attention, 3 hommes dans le box. Ouais, il a même le temps de contrôler le centre. Attention. Le ballon en deuxième, Konoplia qui rate sa reprise. Oh là là, et bien le Shakhtar, finalement ils vont rentrer chez eux avec des regrets, hein, si ça continue. Valverde, Benzema, service à droite, c'est pas mal, Carvajal, le centre, très en cloche, Konoplia, Valverde qui rate son contrôle, ça va aller au bout, ça va aller au bout, non, c'est un petit peu tendre, bon, au moins ça mérite d'être cadré. Effectivement.
Vinicius avec la frappe de Benzema juste à côté. Coup de pied de but. Et de nouveau non cadré. Benzema sur la gauche pour une dernière offensive du Real, peut-être un dernier but aussi éventuellement. Bien joué. Oui, ça va au fond. Non, le poteau. Ah bah décidément. Ce résumé vous a été présenté par FedEx et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League.